Le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sorts. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. C'est cela qu'au Moyen-Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris 3 siècles. À partir du 15, 16, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie et sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leur région, dans leur village pour développer, parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. Depuis sa naissance, il est dans l'histoire de guerre. Donc c'est un guerrier. Il est habitué à la guerre. Depuis qu'il est petit, c'est un homme de guerre. Alléluia. Et puis, un bon matin, il y a eu la guerre. Les deux peuples ennemis, le peuple philistin et le peuple juif, hébreu plutôt, ils ont commencé à parler. Et donc, Goliath vient se démarquer. Et puis il lance un défi. Il dit, cherchez-vous parmi vous quelqu'un parmi vous pour le combattre. Or la Bible déclare qu'il est tellement géant qu'il mesurait au moins 6 mètres. Son épée faisait au moins 250 kilos. Son épée, grand détail, grand puissant. Quand vous regardez l'histoire, la Bible dit pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Or, le chiffre 40, c'est le chiffre de la mondialité. C'est-à-dire,
A figure of. On a vu, vous voyez, je vous donne une révélation. Let me give you a revelation. Les puissants hommes spirituels, tels que Moïse, avec 40 jours de jeûne. Amen. Vous voyez, c'est-à-dire, si vous voulez posséder un endroit, si vous pouvez posséder un ministère, si vous pouvez avoir une élévation dans le ministère, ce jeûne-là vous est imposé. C'est pour ça que Jésus a fait le jeûne, les 40 jours de jeûne. Et on va voir Israël qui a fait 40 ans dans le désert. Donc le chiffre là, c'est le chiffre, n'est-ce pas, de contrôle. Donc pendant 40 jours, il contrôlait l'armée d'Israël. Vous comprenez? Faut que je vous explique un peu. Parce qu'il a fait 40 jours à temps d'insulter l'armée d'Israël. Pendant 40 jours. Il contrôlait l'armée, il contrôlait. Personne ne pouvait contester sa parole. Personne ne pouvait parler. Nobody could talk. 40. 40. Amen. Jean. The giant. Alléluia. Il y a des colliers comme ça dans nos vies. Des situations bizarres. Chiant, on a l'impression qu'ils sont nos départs. And we have the impression that the situation is coming over. D'humiliation dans nos vies. Humiliation of our lives. Il y a des choses bizarres qui nous arrivent. Que personne ne peut. That nobody can. N'un être humain ne peut régler. A human being can solve. Pendant 40 jours, il est en train de défier l'armée d'Israël. Is defying Israel army. Et le petit Goliath, et le petit David ont entendu parler. Il s'est porté comme un bounty. Je suis en train de faire ce qu'on appelle un message textuel. I'm just giving you un message textuel. Message. Un message textuel. Donc, pendant 40 jours, j'ai fait une révision par rapport au message précédent. Et donc, et David se présente parce qu'il n'acceptait pas la situation. Vous voyez, si vous voulez que Dieu vous délivre, vous ne devez pas accepter la situation dans laquelle l'ennemi vous a introduit. C'est pour ça que la délivrance se désigne. Être délivré. D'autres pensent que c'est normal. C'est qui dit. Other people think that it's normal. Je vais me marier. Un, deux. Il y a un problème. Un démon qui est donné. The devil is living with you. Tu as eu l'argent, tu es en train de tomber. You make money. But now à quel moment tu auras l'argent? But when will you make money? Ah, si il y a une période où on cherche l'argent. We have a period. Et puis il y a une période où on a six jours du fruit de notre travail. And then c'est comme ça. Profits from our job. Jusqu'à 30 ans, c'est le travail. Ça se produit dans 60 ans. Yes, it's the job. À partir de 60 ans, the part on a six, yes. Quand on jouit, du fruit de notre travail. C'est pas 30 ans en train de venir mettre chien à Paris. Non, c'est pas from 30 years that you can become. C'est ça qu'il y a la retraite dans la vie. In your life. Parce qu'à un moment, il faut prendre ta retraite. Apart from a certain time. Tu jouis du fruit de ton travail. Mais tu fais. Mais rien en retour. Ce n'est plus normal. Nothing retour. Il y a un certain Goliath, un esprit qui contrôle ta spirit. Controlling your mind. Vous avez le chiffre 40. C'est-à-dire la mondialité, c'est-à-dire le chiffre même, le contrôle. Et pendant 40 jours, il contrôle le système. Personne n'osait lever un doigt. Personne n'osait. Et là, le petit Goliath, David, ainsi puissant qu'il était, il était le plus petit d'ailleurs. C'est comme toi d'ailleurs. It's like you. Amen. Vous voulez, vous savez, pour détruire les œuvres du diable dans nos vies, il faut un homme révolté, c'est tout. Vous n'allez pas avoir l'âge. Mais il faut que tu te révoltes. Il faut que tu te révoltes contre la situation. You should rebel against the situation. Il ne faut pas dire que ça va aller. Révolte-toi. David s'est révolté. David rebelled. Pour mettre Goliath au pas. To fight Goliath. Il va et rencontre Samuel, Saül. Met Saul. Et Saül veut l'aider. And Saul veut l'aider. Si ça vous dit, bon, ok. Tu sais que le monsieur, on lui dit depuis sa naissance, il est dans les sept histoires de guerre. Donc ce n'est pas un petit. Hein. It's not, on va t'arriver quand même. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'on n'a pas eu pitié de toi, le monsieur est parti. Comme toi, ta bouche là, se met à faire des grains. Bon, nous, on va te protéger quand même. Il faut prendre un casque. Hein. Take this helmet. Prends tout ça épée. Tout ça, c'était l'outil d'abord. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, le combat que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas les amulettes. No more. Ce n'est pas les trucs, les talismans, les petits fétiches. Non, everything coming from Petitus. Non. No. Regarde la déclaration de David. Look the declaration. David dit, did it say? C'est à l'Éternel qui appartient la victoire. The victory belongs to Peu importe. No matter what. Oui, tu sois devant toi.
et que la guerre s'est éteinte, moi je suis convaincu que j'aurai la victoire. Dites-vous dans votre tête que vous avez accepté Christ. Christ a vécu la mort à la croix. Amen. Christ a vécu la maladie à la croix. Christ a vécu la pauvreté à la croix. Christ a tout vécu à la croix. Donc la victoire est dans ton camp. La victoire est dans ton camp. Amen. Amen. Or, on a vu ici qu'il s'est débarrassé de tout. Parce que la dernière fois, il allait dans un torrent d'eau. Un torrent, il a pris cinq pierres pour lui. Torrent fait ses morts. Et la parole de Dieu, il prend les cinq pierres pour lui pour déclarer la guerre. Amen. Mais regardez la stratégie. Et regardez. Quand David avait une fronde, et la fronde, regardez, elle ne vise pas autre chose que la tête. Vous comprenez? Quand David a tourné la fronde, la pierre, est où? Goliath. Vous ne voyez pas la tête? Non, sa tête, son front. Amen. Oui, c'était stratégique. Parce que c'est à partir de la tête. C'est à partir de la tête. La réflexion, tous les systèmes fonctionnent à partir de la tête. Donc, le fait de toucher la tête, c'est de toucher toute la stratégie de Goliath, toute la stratégie de la sorcellerie. La tête symbolise la stratégie. Amen. Amen. C'est ce que nous allons faire dans la prière. C'est de toucher prayer, toute la stratégie. Toucher la stratégie. Or, quand vous voulez tuer Satan, c'est ce qui va vous intéresser, c'est la tête du serpent. Vous pouvez rassurer que le serpent est mort. Sauf que ceux qui se sont ligués contre toi, toutes ces compagnies-là, celui qui a commandité l'attaque là, c'est à lui qu'on a fait ce soir. Celui qui a déclaré que tu vas être beau, c'est à lui qu'on l'a fait ce soir. Celui qui a déclaré que tu ne vas pas te marier, c'est à lui qu'on l'a fait ce soir. David a eu affaire à la tête. Quand la tête était touchée, vous êtes démocrates. Ne cherchez pas autre chose. Ne cherchez pas autre chose. We check in the air. Toutes les stratégies qu'ils ont mis en place. The strategies that they have. Pour contrôler nos vies. C'est ça qu'on a fait ce soir. This is what we check in toutes ces stratégies. All that strategy. Amen. Amen. D'où est quitté la sorcellerie? Where is witchcraft coming from? Qui est derrière le système? What's behind this? C'est ce qui nous intéresse ce soir. What we? Ceux qui ont décidé que tu ne te maries pas. Those who have decided that you won't. Alléluia. Mais chose intéressante. Something which is. La Bible dit que David a tranché la tête. Cut off the head of. Il a tranché la tête. Cut off his head. Il s'est pas visé, il a tranché la tête. He cut off the head. Parce qu'on ne sait jamais. Because we never know. Regardez un peu. Quand Dieu a appelé Gédéon. God called Gideon. Et que Dieu a béni Gédéon. And he blessed him. Quand vous lisez dans Jésus le chapitre 6. Le verset, il dit, va à la maison de ton père et défends-là l'hôtel de Baal. Pourquoi? Parce que si les choses qui ne sont pas détruites dans la maison de ton père, which are in toute fois qu'il trouvera la bénédiction, cette chose va dévorer ça. Tu dis pas même avec moi. Tu dis pas même avec moi. Je sais que David, ce qui intéressait David, c'est de trancher la tête. Toute la stratégie satanique. All the strategy, the devilish strategy. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont détruit ce soir? This is what we're going to destroy tonight. D'où vient l'attaque? Qui est derrière l'attaque? Qui contrôle ta vie? Le système de contrôle. Nous allons mettre fin à ça ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que ça s'arrête. This must stop. Nous allons même faire ça ce soir. Le système de contrôle, les stratégies qu'ils ont mis en place that they may have pour nous retarder, so that we can nous faire dépenser seulement. So we can spend our money. Parce qu'il y a des maladies où tu dépenseras seulement. There are some sicknesses. Les scientifiques savent que tu n'as jamais guéri. You'll spend your time. Tu mets assez d'argent dedans. C'est une stratégie satanique démoniaque. This is a devilish strategy. Et so that you can make a poor and die after. Amen. Amen. La tête du Goliath nous intéresse. The head of Goliath. N'est pas les uns. Listen up. Dis à quelqu'un la tête de Goliath. The head of Goliath. Dis à quelqu'un la tête de Goliath. The head of Goliath. Alléluia. Dis à quelqu'un la tête de Goliath. The head of Goliath is interesting us tonight. La tête de Goliath. The head of Goliath is interesting us tonight. Amen. Amen. Nous allons prier. Let's pray.
prier. You're going to pray. Qu'ils soient démasqués. So that they can be and destroyed. Qu'ils soient démasqués. They can be and destroyed. Mais les temps qui le donnent. Ouais, faut que Dieu les démasque. Faut que Dieu démarque toute la stratégie de la sorcellerie contre ta vie. Tu as un contrat à avoir. Tu as envie de voyager tout en haut. Tu n'arrives plus à comprendre tout débloqué. Toutes les stratégies. Que Dieu mette en œuvre et que la tête de Goliath soit tranchée. Prions ensemble, Seigneur. Je vais voir tout le monde prier. Je vais te voir prier ce soir. Ouvre la bouche et parle. Open the mouth and pray. Parle ce soir. Talk to God. S'il vous plaît, prions ce soir. Let's pray tonight. Prions ce soir. Let's pray tonight. Et que la tête de Goliath soit tranchée. Au nom de Jésus, nous prions. On ouvre la bouche. Open the mouth. Parle. Je vais te voir prier. Je vais te voir prier. Je vais te voir prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le diable soit démasqué. Qu'il soit démasqué. Qu'il soit démasqué. Qu'il soit démasqué. Qu'il soit démasqué. Comment? Jésus-Christ, vous contrôlez nos finances, vous contrôlez nos foyers, vous contrôlez nos affaires, tous les systèmes de contrôle, vous contrôlez nos finances, vous contrôlez nos foyers, nos affaires, et détruis, mettez la main, au nom de Jésus. Faites comme ça, comme si les gens avaient une épée. En train de couper tous les systèmes, les mécanismes, la sorcellerie, et puis on marche et on part. Couper, allez-y. We walk and talk. Je libère ton mariage. Je libère tes finances. Maintenant même, ta santé. Je libère ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je condamne l'esprit. Il ne veut pas te voir prospérer. L'esprit. Il ne veut pas te voir prospérer. L'esprit des ténèbres. Il ne veut pas te voir prospérer ce soir. Je condamne les œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce soir. Recevez la puissance de Dieu. Reçois quelque chose. Se passe. Receive the miracle. Reçois ton miracle. Receive the miracle.
reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Maintenant même. Right now. Maintenant même. Maintenant même. Now. La délivrance. Reçois. De l'autre côté, reçois ta délivrance. Il en chante au nom de Jésus. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes. Les chaînes tombent. Le sorcier de votre famille, le sorcier de votre famille, avant la fin de ce mois, avant la fin de ce mois, ils appuient le forfait qu'ils ont échoué au nom de Jésus. Je prophétise la mort au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, recevez ce soir la délivrance. Reçois. Receive. 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 Reçois la délivrance. Maintenant même. Right now. Reçois. Receive. La main de Dieu te touche. 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 Tout le monde se tient debout. Et on prie. On prie avec la main. On prie. Et tout le monde prie debout. Avec sa main. Je libère ta vie. Your life. Maintenant même. Now. La puissance de Dieu. The of God. Viens. Is coming. Elle te libère. And release. Elle te libère. Release. Elle te libère. La main du diable te lâche. La main de la sorcellerie te libère. La main de la sorcellerie te libère ce soir. Reçois ce soir ta délivrance. Et l'onction particulière sur toi. Elle vient pour te guérir. Elle vient pour te
bénit est Dieu pour te délivrer. La puissance main de Dieu te délivre ce soir. L'esprit de Dieu vous touche. La puissance de Dieu vous touche. The power of God is touching you. Fire. Fire. Come on. Come. I command. Okay. Fire. Fire. Come. I command. Come. I command. Fire. Soulevez-le. La puissance de Dieu. The power. La puissance de Jésus. The power. Jésus te touche. Jesus is touching. Jésus te touche. Recevez la délivrance maintenant. Oh,
La boule disparaît. La boule disparaît. Ce que l'ennemi avait introduit dans le vent en train de partir. Maintenant, reçois. 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 Maintenant même. Ta délivrance. Ta délivrance. Ta délivrance. Ta délivrance. Maintenant même. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois,
Reçois. Jésus te guérit. Là où tu es arrêté, le mal quitte ton corps. Le mal disparaît. Le mal disparaît. La maladie quitte ton corps ce soir. Elle libère ton corps ce soir. Dans le nom de Jésus. Comment? Reçois ta délivrance. Reçois-le. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Allez nous asseoir. Nous allons passer à l'action prophétique. Mettez-vous à rang ici avec mon bouquet d'huile. Here. Revenez avec les huiles. Les bouquets d'huile. Il faut que les choses s'arrêtent. Il faut que la main du diable s'arrête sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et que le diable comprenne qu'il a échoué. Il a échoué. Qu'il a échoué. Je le vais. Commencez à parler. Dites à Dieu, c'est la fin. Dis, Dieu, je vais te délivrer. Je veux que tu me délivres. Que cette paix de Goliath là soit détruite maintenant aujourd'hui. Je vais mettre la stratégie. Et la stratégie, tout le système en dehors de ma vie, qui a mélangé ma vie, qui m'a mis dans une maladie. Jésus, en ton nom, que les choses s'arrêtent. Que les choses s'arrêtent. Que les choses s'arrêtent. Amen. Parlez. Verset. Lui que vous mettez, c'est un témoignage. Vous prenez la terre en témoin. Lui que vous êtes en train de mettre sur la terre. Magique à toucher. Le chantier de votre vie. Pendant que vous parlez, c'est un jugement contre lui. Et contre toute sa confrérie. Contre lui. Et toute sa confrérie. Tous ceux qui se sont levés contre vous. Pendant que vous êtes servi là. Que lui parte jusqu'à les toucher. Il vous et qu'il dort. Au nom de Jésus.